Yo, what's up la famille? Vous allez bien ou quoi? Bois la banane. On est là, on se retrouve sur un petit Red Dead Redemption. Vous avez vu en ce moment, j'ai commencé à faire une petite playlist de vidéos sur les secrets et des astuces sur Red Dead Redemption. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas une astuce, c'est plutôt un secret, un truc très 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 étrange. Je tiens à remercier tout le monde qui me soutient dans les commentaires en ce moment depuis mes vidéos Red Dead. Ça fait vraiment plaisir les frérots, ça donne de la force de continuer sur Red Dead et de changer un petit peu de jeu, ça fait du bien parce que vous avez vu du GTA tout le temps. Ça peut gaver au bout d'un moment. Je tiens à remercier aussi mon poteau Nakwa qui m'a laissé un commentaire sur la vidéo du diable juste avant, le secret du diable, qui m'a permis d'aider à trouver le secret. Parce que si vous pouvez m'aider dans les commentaires, ce serait cool à me donner des petites astuces ou des idées. Genre là, dans la vidéo du diable, et ben il m'a dit qu'il y avait peut-être un sacrifice à faire. Donc je tiens à le remercier. Nakwa, gros big up à toi. Gros big up à tous ceux qui m'aident dans les commentaires à faire ces petits secrets-là, à trouver les astuces et tout. Donc l'astuce d'aujourd'hui les potos, parce que depuis tout à l'heure je fais que de blablater, c'est une femme enfermée dans une boîte, une femme enfermée dans une cabane. Soit c'est une femme, soit c'est une créature, je dirais plutôt une créature parce qu'elle a une tête bizarre. Donc je vous fais voir tout de suite la localisation, les potos. Voilà, donc vous allez tout en bas, vous avez vu, au niveau de Rhodes comme il dit. À droite il y a Saint-Denis, vous allez au niveau de Rhodes. En fait je suis sorti d'une mission là qu'il fallait voir une dame en discrétion. Et c'est là que j'ai découvert la boîte. Vous allez à Braithwaite Manor, désolé. Et vous allez là, vous allez voir le tout petit point. On va y aller les potos ensemble. J'en ai pour même pas 10 secondes. Mais secret, ça c'est un secret très bizarre. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Aucune idée. Il y a beaucoup d'easter eggs sur Red Dead les potos. Il y en a énormément, énormément, énormément. Donc là on arrive. Regardez. Tu peux me peigner maman. Vous avez vu? Je vais mettre en première personne pour essayer que vous voyez mieux. Je crois qu'il est là, qu'il y a quelqu'un. Jetez un coup d'œil. Vous avez vu? Espèce de vieille imbécile. Attends, j'essaie de vous faire à la tête là. Ça ressemble un petit peu à une femme, mais elle est défigurée. Hein. Attendez, je vais essayer de bien mettre mon cheval. Ah, un tout petit chouïa devant et je peux la voir. Examinez, j'examine après les potos. Regardez. On dirait une femme, mais elle est assez défigurée. Un, deux, quatre. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus près. Ah, excusez-moi pour la vibration, c'est un ami qui m'appelle en même temps. Ah, là je l'ai parfait. C'est une femme, hein. Elle a l'air d'avoir la bouche bizarre. C'est bizarre. Dans Red Dead, il y a énormément de choses. Je vais examiner les poteaux. Vous avez vu, hein. Elle a aucun moyen de sortir. C'est vraiment cadenassé partout. Au milieu de tout le monde. Je sais pas c'est quoi cette histoire. Je vais examiner. Les petits secrets comme ça sauraient être, c'est bien les amis. Hein. Sérieusement, ça c'est vraiment très 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 bizarre. Elle peut pas me le mettre en français s'il vous plaît? Ah lire, ils vont me le mettre en français. J'ai trouvé une jeune femme cinglée à l'allure vraiment étrange, enfermée dans des sortes de lettrines au manoir. Braithwaite. Ce monde n'est pas un endroit pour les gens comme elle. Ah d'accord, c'est quelqu'un qui a trouvé... C'est moi qui écris ça dans le livre ou c'est moi qui viens de trouver un livre? C'est genre de le trouver le livre les potos. 1, 2, 3, 4, 7, 3, 6. Ah, elle est bizarre, elle est bizarre. Je peux pas l'ouvrir la porte. Non, je peux pas l'ouvrir.
tous les secrets comme ça que vous voyez que je vous les fais voir juste en vidéo les amis, et ben en live on essaiera de les résoudre ensemble. Non, ça veut pas s'ouvrir. Ça veut pas s'ouvrir. Et dynamite, non? Non. Par contre, je crois que je l'ai buté. Je crois que je l'ai buté, ouais, par contre. Bon, bah voilà, les amis. Je suis désolé, j'ai les chasseurs de... Ah non, elle est encore là. Elle est encore vivante, hein, vous avez vu? Je peux pas l'avoir de là. En plus, elle a un insigne de lune. À mon avis, il y a quelque chose à faire sous la lune. Sur ce, les amis, on arrête sur cette petite bagarre qui ne devrait pas avoir lieu, car c'est des vidéos astuces et secrets, et non des vidéos violences. Je vous remercie tous d'avoir regardé la petite vidéo. Si vous avez des petits commentaires à me laisser au niveau de ce secret, pour m'avancer, ce serait cool. Et on va le régler en live. En tout cas, je remercie tous d'avoir regardé les vidéos, de me soutenir dans les vidéos Red Dead, de me laisser des petits commentaires pour m'aider à résoudre les problèmes, enfin les problèmes, les secrets. C'est très sympathique, les amis. Comme j'ai dit tout à l'heure, grosse dédicace à Naquaa pour le problème, pour l'astuce, le secret du diable. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de bisous, même si je suis pas galère, famille. Et hop, on se retrouve à la prochaine vidéo Red Dead.